Donc Géraldine, elle est pas contente, tu vois. Donc Géraldine, elle s'est mariée, elle s'est dit c'est bon, j'y fais plus dur. 24 heures après, le gars lui a dit non, ça va pas le faire. Non, je pense que là, et donc du coup Géraldine, elle n'est pas contente parce qu'elle va se plaindre à la radio. Hein? Donc avant de regarder la vidéo, je te rappelle que la chaîne c'est pour les gars qui sont déter et qui veulent passer à l'action. Et pour ça, tu es libre d'accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine via un business en ligne. C'est complètement gratuit avant de créer l'arnaque. Jette un coup d'œil quand même. Et passons directement à la vidéo. Rachel from Sydney, shortest relationship, Rach? I was married for not even 24 hours before my husband wanted a divorce and we separated 2 weeks later. What happened, Rachel? The night of the wedding, we went out and when we got back to the hotel room, unfortunately, I didn't give him what he wanted. Which is sex? Yes. How long had you been together and had you had sex before the wedding night? Yes, we're already together and everything was like that. We were tired. I didn't want to. And then the next day, he wanted a divorce. What a revolting man. Also, because I've heard a lot of people don't have sex on wedding nights because you're so tired. So it's like a 17-hour day and you're drinking drunk, and you're drunk and you're full and you've had a fun day. Cake and absolutely. So he said, this is the reason why you're not having sex with me, therefore we are getting divorced. Yes. That was miserable. Like, we just couldn't wait. Wow, I'm sorry, Rachel. What an awful, disgusting man. No bloody riz. He's got no riz. No riz at all, Rachel. I don't understand. If you're having sex, you're having sex a lot before, after. What? Men are revolting. We're learning, boys. Yeah, we're learning. Les hommes sont odieux et dégoûtants, les enfants. Apprenez. Là, tu vois que être un simp ou un bêta, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Tu n'es même pas considéré comme un homme. Elle leur a dit, en une phrase, j'ai vu tout de suite la dynamique dans le studio, elle leur a dit, vous regardez les enfants, comment sont les hommes? Apprenez comment sont les hommes. Genre, toi, t'es pas un homme, toi. Toi, t'es un enfant. Tu vois? Et lui, il est là. Ah ouais, c'est vrai, là, on apprend. Ben non, c'est toi qui dois lui apprendre. Elle n'y connaît rien aux hommes. C'est toi qui sais ce que tu recherches ou pas. T'es un homme. Ah ben non, apparemment, il sait plus. Il sait plus. Ah, merci de m'enseigner. Une femme ne sait pas comment être un homme. Ah, le gars, quand il a répondu ça, j'étais dépité. J'ai dit, les gars, ils sont complètement perdus. Il sait même pas, il sait plus. C'est elle qui t'apprend à être un homme. Non, une femme ne sait pas comment être un homme, tout simplement, ou qu'est-ce qu'un homme recherche, ou la nature d'un homme. La femme ne sait pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin d'apprendre à savoir qu'est-ce que la nature masculine, puisque on vient à elle. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'apprendre? Elle a juste à être une femme et l'homme va venir à elle de toute façon. Donc, elle n'a pas besoin d'apprendre. En général, elle commence à se pencher sur la question quand elle commence à dépasser la trentaine. Parce qu'elle se dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis toujours pas mariée? N'est-ce pas m'intéresser quand même aux hommes? Réellement, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors, voilà. Mais avant ça, non, elles sont pas au courant. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Et deuxièmement, en quoi tu le juges? En quoi vous le jugez, en fait? Pourquoi il est dégoûtant? Pourquoi il est misogyne? Bon, elle n'a pas dit ça, mais tu sais, c'est pareil, ils aiment bien utiliser tous les mots buzz, là, misogyne, pervers narcissique, masculinité toxique, enfin tout, hein, j'imagine, tous les commentaires, c'est ce qu'ils ont dû mettre, hein. Insécure sûrement, c'est cadeau celui-là aussi, tout, hein. Pourquoi en fait vous le jugez? Il a fait le choix, et en plus il a bien pris son temps, ça veut dire qu'il a dormi, il a réfléchi, le lendemain il a fait non, ça va pas être un bon move. Il a dit je préfère mettre fin. En quoi tu le juges en fait? Pourquoi il est dégoûtant? Pourquoi il est odieux en fait? Pourquoi? Parce que les standards d'un homme ne sont pas valables. Un homme ne demande pas grand chose lors d'une relation. Il n'y a vraiment pas grand chose. Ça doit se compter sur. Allez, ça fait même pas. Il n'y a même pas 5 choses qu'un homme a besoin réellement pour qu'il soit heureux dans une relation. Et le sexe est une grosse partie. Et ça, je pense que. Juste à taper sur Google pour le savoir. Ça, elle n'a même pas tapé. Ou sinon, même si elles le savent, en tout cas, dans son cas, elle, même si Géraldine le sait, apparemment, elles sont bas des reins. Tu vois? Elle pensait pouvoir faire son truc comme ça, prendre sa décision, sans qu'il y ait de conséquences. Donc elle n'est pas odieuse de ne pas vouloir faire un effort pour son gars pour la nuit de noces. Donc, c'est la nuit de noces. C'est-à-dire que c'est toute la vie, ils vont s'en souvenir. En plus, tu as dit, oui, j'ai l'impression que, en général, sur les nuits de noces, les gens n'ont pas de relation. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ressens? Tu sais ou tu sais pas? Tu as des stats? Qu'est-ce que tu dis en fait? Moi, je suis pas au courant de ça, en tout cas, de ces stats-là. C'est elle, hein, donc, voilà. Donc, le gars est devenu dégoûtant parce qu'il a pris une décision. Voilà, on ne sait pas. Donc, déjà, pour moi, je pense qu'il a fait un très bon move. Pas parce que, elle lui a pas donné de sexe. La nuit de noces, il a décidé de partir.
Tout simplement parce qu'il sait que si déjà ça commence comme ça, à la nuit de noces, tu te refuses à lui, alors que t'es sa femme, comment va être le futur? Et moi, je te le dis directement. Si jamais déjà dans le début, elle te refuse à la nuit de noces, mais dans le futur, c'est cuit. Dans un an, deux ans, cinq ans, enfin, bon, si t'arrives jusque-là déjà, hein, mais dix ans, enfin, c'est cuit. Donc le gars, il a réfléchi, il a dit non, ben, c'est sûr que c'est mort. Et au lieu de poser la question pertinente de est-ce que ça vous est déjà arrivé auparavant? Est-ce que tu t'étais déjà refusé à aller auparavant? T'as vu que jamais on lui a posé cette question-là, là, Géraldine. Pourquoi? Parce que la société, parce que les femmes modernes, tout de suite, c'est entendre un seul côté de l'histoire et pas se préoccuper d'avoir les deux versions. Non, une seule version suffit. Elle lui a juste demandé, mais il t'a dit que c'était juste pour ça? Ah, mais derrière, elle lui a pas dit, ouais, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous en aviez déjà discuté avant? Est-ce qu'il t'avait déjà prévenu que c'était quelque chose qui était important pour lui? C'est ça les vraies questions à poser. Parce que moi, j'ai même pas besoin de connaître sa version. Même si je dirais, ah, tu te contredis, il faut les deux versions. Ah, mais j'ai sa version, mais lui, je sais comment un gars, il fonctionne. Il lui a déjà dit, pour pouvoir, juste parce qu'elle te refuse à la nuit de noces, le sexe et divorcer, c'est pas parce que la nuit de noces, elle t'a refusé. C'est parce que c'est déjà arrivé auparavant, tu l'as déjà prévenu et tu as cru que ça allait s'arranger au fur et à mesure du temps. Et là, quand tu t'es marié, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, tu viens de dépenser énormément d'argent. Et là, tu vois qu'elle te refait ça la nuit de noces. Là, tu te dis, non, c'est sûr, ça ne va pas changer. Ce sera comme ça à vie. Vaut mieux que je me barre tout de suite avant qu'il y ait des enfants et que ça soit plus long, etc. Vaut mieux que je parte tout de suite. Donc, il a fait un très bon move. Mais comme tu as vu, les hommes, par exemple, un des standards des hommes, ben, c'est d'avoir assez au sexe. Si l'un d'eux a une femme, c'est pour qu'il puisse avoir assez au sexe. Voilà. C'est peut-être dur à comprendre pour certaines femmes, de ce que j'entends. Hein. Apparemment, c'est dur pour entendre pour certaines femmes. Mais à ce moment-là, si tu refuses d'accepter les standards des hommes et que tu les traites de odieux, tout ce qu'il veut, ou pervers, ou je sais pas, enfin tous les mots, voilà. Chacun ses standards, les femmes, les hommes sont différents, les femmes ont certains standards. C'est comme si une femme, la nuit de noces, elle apprend qu'en fait, ben, y a erreur sur la marchandise. Elle pensait que genre le gars, c'était un gars qui était stable financièrement, qui était leader, etc. Mais en fait, elle s'aperçoit, la nuit de noces, qu'en fait, non, c'est rien de tout ça. Qu'est-ce que ça va faire le lendemain? Elle va divorcer. Bah, c'est ce que lui, il a fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que pour aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas hein, où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin avec moi, tu sais jamais, tu me connais déjà. Tu peux accéder à mon groupe des 10%. Okay, comment pouvoir faire de l'argent en ligne, toutes les stratégies pour atteindre les 5 000 euros par mois, comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les cryptos, comment traiter les cryptos, personal branding, enfin il y a énormément de choses. Okay, donc tu as tout ça en description, je te laisse checker, ça s'appelle Zion et les gars on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je suis à ton camp.